Allez, go Zenith. C'est où? Livre de quête. Mon Zenith. Mon Zenith, chapitre 1. Retourner sur la plage du Zenith. Ok, ça c'est bon. Chapitre 1. Mon Zenith. Zenith, plage. Plage? Zap? Ouais, plage, ouais. Ouais. Ok. Parler à Ulule. Ok. Ah, ça y est. C'est bon, t'es dessus? Ouais. Allez. As-tu remarqué cette crevasse nuageuse? Je vois bien que oui. Et je parie que tu ne te demandes comment la franchir et ma réponse est simple, avec un artefact spécial. Tu veux parler de l'ocarina draconique? Non, je veux juste parler du fait que le raid des Vilox n'a pas marché. Je suis survénère. Attends, deux secondes. Putain. Merci beaucoup, Evilox, pour le raid. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Oh, attends. Je crois que j'ai trouvé pourquoi. Désolé, Mido, deux secondes. Ah si, bah t'excuses pas. Y'a pas de alerte. Soucis avec ça. Gif, alerte, raid. Ça marche. Oui. Y'a pas de son parce que je l'ai coupé. Donc là, gif, alerte, raid, je remets. Là, alerte, raid. Non. Oui. Et là, follow. Fais-moi l'alerte. Alerte texte, non. Gif alerte. Follow. Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis perdu. Perdu. Je sais pas. Je sais pas beaucoup pourquoi, mais je suis perdu. Mais voilà. Merci beaucoup, Vilox. Comment tu vas? Sur Sea of Thieves en plus, comment ça se passe sur le jeu? Alors, attends. C'est vraiment un stream de bras cassés, hein. Oh, comme la guide, Mido. Je pense que c'est des mecs indépendants temporistes, ça. Ouais, même pas, même pas. Bien, et toi, ça va super en vrai, Vilox. À part les petits bugs là que je rencontre parce que j'essaye d'améliorer les choses, mais en fait, c'est pire. Ça a marché! Ça a marché! Merci, Aaron! Ça a marché! Ça a marché! C'est bon. C'est bon, je suis heureux, ça a marché. Merci beaucoup. C'est bon, le follow fonctionne, tu vois. Putain, j'en peux plus. Ça a marché, putain. C'est bon, je continue? Donc, l'ocarina, hein. Ouais. En vrai, c'est stylé parce qu'on est à fond dans Zelda en plus, donc tu me parles d'ocarina, je sais de quoi tu parles. Ok. Oui, je parle bien de cet artefact, l'ocarina, le charmeur de dragon. En l'occurrence, charmer ton petit dragonnet. Malgré sa petite paire d'ailes, il devrait pouvoir passer sans problème franchir la crevasse. Il ne te reste plus qu'à faire le grand saut. Je ne suis pas très rassuré, mais s'il le faut, allons-y. Ok, let's go. Je peux y aller comme ça, moi? Oh, mais attends, je veux le... Ok. Pourquoi je peux okay, pas bah... Ah, ouais. Attends, je... Premier degré, je pouvais pas. Le respect est mort. Let's go. Salut, Aaron. Iron, comment ça va? Oh, attends, attends. Cinématique. Fin de la cinématique. Ouah, quel tremblement! Hyper vitesse, ouais! Je ferais demi-tour si j'étais toi. Cet endroit est terriblement dangereux, foi de Thomas, et sinon je ne mérite pas mon nom. Et si je refuse de faire demi-tour? Mon fils, Ogrest. Il est consumé de chagrin. Il est colère. Et immense, depuis bien trop longtemps. Tu risques ta vie en allant au sommet. Mais je suis le héros de la prophétie! Je ne pense pas que cette prophétie soit pour aujourd'hui. Sincèrement, tu n'es pas de taille face à mon fils. Comment peux-tu l'affirmer si je n'ai même pas encore essayé? Sur ce point, je ne peux pas te contredire. Mais écoute-moi ce conseil. Enregistre-toi sur l'étrange sphère que tu trouveras plus loin. Cette sphère s'appelle un silo. Pour faire court, c'est une espèce de zap qui fonctionne comme les zaps que tu trouves, que tu connais. Et surtout, méfie-toi. J'ai cru percevoir de vieilles connaissances. Cela ne présage rien de bon. Sur ce, des bisous, frérot. A plus dans le bus. Oh. Ok. Cette maille, je me demande si je l'ai pas déjà rencontré auparavant. Ouais, moi aussi. Ok. Je ne te connais pas, mais je t'aime déjà. Attends, c'est ce silo-là?
Ah ouais, celui-là il faut le débloquer. Stylo du zap, et là... Oh, ça y est. Ok, stylé. Ah, ça y est, on y a accès. Ouais, ouais. Let's go. Attends, non, il nous a déjà... Attends, attends. Attends, j'ai pas lu, attends, il se passe un truc, il y a encore une révolte, je dois rebanner des gens. C'est terrible. En plus, plus t'as d'ancienneté, moins il lit tes messages. Ah, j'ai raté des messages. Je te jure, on sait qui est le vrai streamer. Ouais, ça je sais. Quand Vic c'est pas là, c'est n'importe quoi le stream choqué déçu. Ah, c'est ça. Ouais, mais ça on le sait déjà depuis longtemps, non? Pas nouveau. 2 ans de stream pour pleurer de joie pour une alerte follow. Quelle déchéance. Et ça veut faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Quel moment. Oh putain, elle est tellement ouf cette fois. J'en peux plus. Je suis pépé, quoi. Je me fais lyncher, c'est terrible. Hein. C'est des gens que j'ai élu bras droit là qui sont en train de me parler, vous vous rendez compte? Genre des modos, des bras droits et tout, c'est terrible. Hein. L'irrespect est total. Hein. Putain, quoi. Je choisis pas les bonnes personnes, moi. Normalement, quand tu choisis des bras droits et des modos et des trucs comme ça, c'est genre avec une poigne de fer, tu sais, en mode. Tu sais qu'ils vont t'obéir au doigt et à l'œil, tu vois. C'est un peu comme. Quand tu prends un chef d'équipe adjoint ou des trucs comme ça dans le taf, quoi. Et là, non, ça marche pas comme ça, ça me fait un peu chier, hein. Bizarre. C'est moi qui gère mal. Désolé. Alors, on est sur l'île. Interagir avec un monstre. Oh non, on le fait pas, ça. On trouvera jamais. C'est grand, ici. Oui, il en reste qu'un, en plus. Ouais, d'ailleurs. Oh, il y a le comptoir des mercenaires, aussi, qu'on peut faire, aussi, ici. Il est là-bas, non? C'est pas le Gob-Gob? Ah, grave. Vas-y, fais-le. T'as moins de level, je crois, que moi, non? T'as combien? C'est... Je suis 84. Vas-y, prends-le. Vas-y, prends-le. Putain. Vas-y. Oh, il te reste 10 minutes 10 pour le prendre. Vous vous rendez compte que des fois on rate en fait des trucs comme ça parce qu'en fait on est trop sympa l'un envers l'autre en mode non mais vas-y toi, non vas-y toi, voilà, d'abord, toi d'abord, non. Voilà. Stylé. À 200 000 plus ça t'a donné. Oh, 200 000, putain, j'avoue. Énorme en vrai. Ah ouais, il m'avait fait une révolution pendant le dernier Temporis. C'était trop drôle. Oh, c'était un truc en vrai, c'était une dingue. Tu te rappelles, Mido, t'étais là? De quoi? Pendant la révolution du dernier Temporis. Je sais pas si j'étais là ou alors je m'en souviens pas. Où il voulait me détrôner et tout de meneur de guilde et tout. Mais quoi? T'étais pas là? Oh putain, t'as raté un truc, hein, c'était tellement drôle. Shaijin, il commence à balancer une phrase en mode... Oh putain, il est... Enfin, je sais plus ce que c'était genre... Oh, le tyran et tout, ça y est, il faut le faire descendre de son piédestal. D'un coup, il y a 3-4 messages qui pop en guilde. 10, il y a tout le monde qui se rejoint aux apps de Bonta. Il y avait 10-15 membres de la guilde en mode « Détrônons le meneur !» Voilà, c'était dingue. C'était trop drôle, quoi. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Bon, t'as raté, hein. Non, t'inquiète. Ce temporis-là, je vais mettre une main de fer instant. Rien pouvoir faire. On va tous les ban. Alors, parler à la jeune Osamodas, membre de clan. Continue. Ça va appeler Vix, là. Oh putain, mais ouais. Vix, ah ouais. Vas-y, pour voir. Moi, je ramasse les semences de Moluski, là. Elle va faire un personnage. Trop bonne idée, je l'aurais pas fait sinon. Bien joué, Mido. Y'a pas de soucis. C'est Coqueline. Alors, c'est une fille de Dieu. D'accord. C'est tout, mais ça change rien, mais... voilà. Et du coup, elle a quoi comme personnalité, globalement? Elle adore les animaux de ouf. Ouais. De ouf, c'est plus important que les humains pour elle. Mmh. Et c'est un peu tout, tu sais, en mode fais attention, machin, va pas trop vers là. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, en mode protectrice des animaux de ouf. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Mais elle est cool. D'accord. Elle est cool. Voilà. Mido, va sur le stream peut-être pour l'entendre. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Ok, ok. Allez. Oh, vas-y. Ah, j'ai hâte de retourner à la maison. Il n'y a rien de plus amusant que de chercher des vieilles boules flottantes. Des boules flottantes? Les silos? Tu es qui, toi? Pardon, je suis l'aventurier de la prophétie. Je viens terrasser Ogrest. Rien que ça?
laisse-moi rire. Tu n'as pas le poids contre ce monstre. Et même contre moi, tu ne seras pas assez fort. Retourne d'où tu viens, c'est mieux pour toi. De quel droit une gamine dont je connais même pas le nom me rabaisse-t-elle? Excuse-moi, rencontrer un cas aussi désespéré que toi me fait oublier les bonnes manières. Je m'appelle Coqueline et je maintiens que tu ne fais pas le poids contre moi, ni contre mes compagnons. Mais je veux bien te reconsidérer si tu m'aides dans divers tâches. Et pourquoi t'aiderais-je après toutes ces gentilles paroles? Oh, tu fais comme tu veux. Tu peux rester faible et ignorant ou un peu plus fort et moins ignorant. Si tu m'aides, je te divulguerai des informations... utiles. Qu'as-tu? J'ai pas besoin des histoires d'une gamine hautaine, hein. Après tout, fais comme tu veux. Ton sort m'importe peu, mais si tu tombes sur Kali, je donnerai pas cher de toi. Qui est Kali? Eh, moi je sais qui c'est Kali, c'est une youtubeuse que j'adore qui fait de l'ASMR, elle est super cool. Dédicace à Kali. Non, non, genre en vrai j'aime beaucoup ses vidéos, elles sont très très détentes. Si vous voulez vous détendre un petit peu, vous reposer, une personne qui parle super gentiment et agréablement, allez voir Kali ASMR YouTube. C'est ouf. C'est bon. Ça n'a rien à voir avec le dialogue actuel. Rien à voir. Pas de réponse, sans compensation. N'es-tu pas du même avis que moi? Ouais, c'est d'accord. Donne-moi les tâches que tu souhaites. Ce n'était pas si terrible d'accepter ma proposition. Pour ta première mission, tu dois récupérer un œuf de Moliski et me le rapporter. Mais commence par analyser le comportement d'un cascargot et d'un Dark Moule. Je t'indique la marche à suivre, alors suis bien les étapes. Un œuf si tu y tiens, allons voir ces Moluski de plus près. Tu l'as vu, Dark Moule, c'est rigolo. Oui. Parce que c'est une moule. Ouais. Mais elle est noire. Ouais. C'est une Dark Moule. Dark Moule, ouais. Et voilà. Ok. Merci beaucoup, Vix. De rien. Faudrait peut-être qu'on trouve un truc pour pas que tu viennes à chaque fois, non? On testera en cas en off pour voir via Discord si ça marche. Ouais, j'ai pas de micro là-bas. Ou alors je vais avoir un micro pourri. Ouais, j'avoue. Ça te dérange pas de te déplacer au cas où? Non, non, non. Enfin, okay. Viens pas me chercher pendant que je dors, quoi. Ah, si, à 3h du matin, ce serait cool. Non. Ça se fait pas pour les quêtes. Non, mais on fait pas de quêtes la nuit, de toute façon. Ok, merci. Trop géré. Merci. Et yo, Ewin, comment tu vas? Oui, putain, bien joué. Oh là là, Mido qui enchaîne. Trop cool. Y a les... Ouais. Ah, attends. T'as fait quoi? Yo, Terraclo. Attends. Ça, je l'ai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu changes quoi? Je change rien. Ah, mais ta coiffe, elle a bougé. Ah bon? Ouais. Tu veux que j'attende quoi, Mido? Bah, j'ai pas dit attends, si. Ah ouais? Je croyais que t'avais dit attends. Non, j'ai rien dit. Oh, la cocaïne. Attends, viens, on va se faire des... Juste, on récupère des... Ça. Semences de requin. Ah, vas-y, vas-y. Ok. Je te laisse prendre tes 30, c'est bon? Ouais, 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 ouais. Attends, mettre ça. Et... Vas-y, j'ai fait un petit combat qui se lance, là. Très cool. Ça. Ouais, d'ailleurs, avec les outils que j'ai, je peux en récupérer jusqu'à 7 des fois. Ah ouais. T'imagines la différence? Ah ouais, ouais, moi j'espère le combat pour en gagner 40 d'un coup. Ah, c'est stylé aussi, ouais. Wakfu ressemble trop à Dofus, c'est fou. Et oui, ça va nickel, et toi? Ça va très très bien. Mais je suis pas forcément d'accord oh, avec toi. Oh, le combat qui se lance. Oh, stylé, vas-y, on est bien là. Ouais. J'en récupère encore 2-3 le temps que tu finisses. Que j'en ai assez aussi. Non, c'est quand même vachement différent, tu vois, genre... En fait, t'es pas perdu, c'est ça qui est cool. Quand tu viens de Dofus, je trouve que t'es pas perdu dans Wakfu. Déjà, rien qu'avec les classes, hein, c'est trop agréable. Tu me dis quand t'as fini. Ouais, j'ai fini. Ok, j'ai 47 déjà, semences, là. 51. Bah, là, je vais jusqu'à... Bah voilà, je suis à 61, du coup. Oh, nickel. Au moins, on est déjà bien pour demain. Ouais, de ouf. Alors, on va prendre les mercenaires. Hop là, ouais. Et sinon, tout à l'heure, vous en avez parlé dans le chat et c'est plutôt cool. On fera aussi sûrement Coco Lanta avec la quête des mercenaires parce que effectivement il y en a une, je crois. Alors, mon Zénith, plage 1 et 2. Ouais, ça, c'est ça, on... traduire, c'est ça? Ah ouais. Hein? Et le dernier, c'est le donjon. Hein. Ouais, c'est bah, ça. Moi, j'en ai 5 de contrat. Ouais, j'en ai 5. Il y en a 3 rouges qu'on peut pas, c'est ça? Ouais, on prend les deux premières? Ouais, vas-y, vas-y. Allez. C'est parti. Plage sauvage rend un inspecté. C'est le bon instant, quoi.
Ouais, je crois pas. Ouais, go. Hein. Vas-y, ouais, let's go. J'ai fait dans l'ordre là, donc je sais pas si ça vaut le coup ou si c'est rentable ou quoi. Non, mais laisse-nous nous amuser, Verpio, en fait. On a pas envie de se faire PL comme ça. Oui, c'est cool, t'as des très bons persos et tu gères de ouf, c'est super bien et ça peut aider des fois. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous aussi, on gère, ok. Voilà, d'abord. T'as pas confiance, c'est ça? Non, on a envie de profiter, de galérer. Enfin, galérer. C'est relatif, hein. Mais vraiment, ouais, on a envie de découvrir les donjons, quoi. Les mécaniques et tout, ça sert à rien, sinon. Mais c'est ce qu'on veut, en fait. On veut pas que ce soit simple. En plus, en sachant que Wakfu, c'est quand même bien vénère, je trouve. Malgré tout. Enfin, plus que Dofus. Donc c'est vrai que c'est dommage de rater les mécaniques et tout. Mais c'est gentil sinon, c'est très gentil de ta part. Mais t'inquiète, je demanderai dans ces cas-là. Enfin, sauf si Mido veut se faire PL, hein, il peut. Hein. Non, vas-y, non, Mido. Enfin, je me suis jamais fait PL, j'aime pas ça. Ouais, pareil, c'est vrai que je suis pas fan. Surtout pour une découverte, tu vois, genre. Autant tu recrées un perso et t'as envie d'aller vite au départ, ça me va, tu vois, de ouf. Pour la première fois, c'est un peu bête. Surtout, genre, imagine dans Wakfu, autant Dofus. Je dirais peut-être ok, mais Wakfu de faire PL, mais t'arrives niveau 200, tu fais quoi? C'est vrai. T'as pas envie de claquer mentalement, tellement c'est assez... Oula, toi aussi. Tellement c'est vénère. C'est où? C'est en haut? Bah, je sais pas. Bah, je monte. On dirait. Je vais bien pouiller aussi. Ah, il y a une barrière ici, bon. T'as vu? Ah ouais. Peut-être une autre... une autre leak. Ah bah non, pas non. Enfin, deux fois que je te suis. Deux fois que j'aurais pas dû. Alors. T'as raison, c'est où, attends? Ah ouais, non, c'est. Ok. Alors. Ouais, c'était au début, génial. Comme ça, ouais, le donjon, il va être vachement rentable. Oh, attends, les tiges de roseau. Oui. Non! Non, non! Quoi? Désobéissance. Pourquoi? Il fallait pas couper des tiges de roseau. Ah bah super. Sérieux? Et tu le refais? Bah non, non, je prends des graines, attends, je vais en replanter. Ok, ok. Peut-être qu'ils vont voir que je suis gentil et ça va aller. Attends, le truc des algues là, c'est où? Attends. Oh, c'est tout au bout encore? Non, sérieux, ça se fait pas ça. Oh, je suis dégoûté. On aurait dû faire les deux en même temps, j'ai merdé. J'avoue. Mais c'est chiant ça, tu peux pas faire 30 points comme dans Dofus. Regarde en commerce. Quoi? Regarde en commerce. Merde, attends. Ça rouspète. Merde, j'avais pas le commerce activé. Oh merde, ça se met pas. Attends, si. Ah non, ça se met pas. Ah, ça se met pas, il y en a, il l'a mis. Oh, deg. Qu'est-ce qui se passe? Il l'a mis Okama, ras le bol de vos mimiques qui despawn pas. Et après, il a mis régler ce problème ou sinon vous allez voir. Chapeau, chapeau. Bah, ils vont te trouver après, fais gaffe, hein. Tain. Mais vous savez que quand je faisais le Pew, j'ai eu un coffre qui a fait ça. Mais ça m'a lancé, enfin, j'ai pu aller à la prochaine salle, donc Oh putain, tant mieux. T'as pas perdu, quoi. Non, bah j'étais content parce que bon. Tu m'étonnes. C'est vrai que c'est un peu la loose, hein. C'est très frustrant quand même quand ça arrive. Ouais, c'est bon. Bug... Normalement t'es content de voir des coffres et là t'es dégoûté. Ouais. Et question, ça arrive sur tous les coffres? Ou c'est des fois? Je sais pas, les autres jours c'était sur tous les coffres, mais... Toi, t'as eu des coffres qui marchaient? Bah, celui de tout à l'heure, là. Okay. C'était un sucré, il me semble. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, en gros, pour ceux qui savent pas trop ce qui se passe, en ce moment, il y a un bug sur Wakfu. Moins vénère que sur Dofus, fort heureusement. Mais il y a un bug où, malheureusement, quand tu as un coffre qui pop dans les combats, donc un coffre qui est censé te donner des bonus, bah... Il despawn pas à la fin, donc il reste en mode semi-mort, sans mourir, et tu peux pas finir le combat, donc t'es obligé d'abandonner. C'est quand même la loose. Tu gagnes quand même les ressources du combat, c'est comme si t'avais gagné le combat, mais bon, c'est chiant quoi.
Hop, et là c'est... Ah merde, c'est là-bas. Ok, je vais aller dans... Yo Tristan, ça va? Alors pour Zelda, bah c'est fini. Et on a vu le trailer, il était trop bien. Non, vraiment, il était génial le trailer pour le coup. Hop. Tu sais que j'ai presque envie de le faire Day One à cause de ça. Je jure, Mido. On fait pas temporis, hein. Ouais, viens, arrête, hein. Malek. Hein. Priorité, en fait. Non, je regarde pas le gameplay, Tristan. Je regarde que le trailer. J'ai pas envie, en fait, de trop en découvrir. J'aime bien garder des surprises, tu vois. Les trailers, ça me va, à la limite. Shajin, il a dit non. Il a dit non, non, que dalle. Pas pour lui. Tu vas même pas le faire, t'as dit. Ah ouais, mais est-ce que ça se peut, ça l'arrange aussi que ce soit reporté, non? Je sais pas, ça t'arrange, Shajin? Je crois pas, hein, de ce que j'ai cru voir sur le Discord. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas regardé. Parce que ici il pouvait pas tout de suite. Ouais. Pour le 19 avril, mais vu que là, c'est reporté. Ah, ça peut être vénère. Non, j'ai peut-être rêvé alors. J'ai pris les deux autres quêtes Mido de mon côté. Ah, attends, non, j'ai rêvé. Je pensais que t'avais dit ça, Shajin. Tu seras là pour Temporis? Aucun là. Question pour le nouveau Zelda, s'il y a des DLC, tu les prends ou pas? Ouais, je pense, parce qu'ils étaient vachement bien au final, les DLC. Hop, franchement, ouais, ils valent le coup. T'as pris quoi? Ah, les 4? Les deux suivants, ouais. Ah, ok. Golet Pano. Ouais, c'est quand même laborieux de ouf, ça, en vrai, comme quête. On va pas se mytho. Des quêtes chiantes, là. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Genre, il y en a quelques-unes par-ci par-là, mais c'est tout. Ça va être comme si on devait se revenir dans une semaine. Ah non! Oh non, la dep! Attends, une semaine, le rendez-vous avec un tel. Oh la loose, quoi. Salut Drenation! Merci beaucoup pour le raid qui n'a pas marché en alerte. Attends. J'en ai marre, je te jure. Comment allez-vous? Putain, c'est super gentil! Je savais pas que tu faisais des streams. Gif de raid, oui, visible. Attends, gif de raid. Ah, attends. Gif. Attends. Hidden, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai fait de la merde. Alerte texte, oui. Je sais pas encore te faire insulter dans le chat. Mais vous avez raison, même moi je pèterai des câbles. Attends, message d'alerte, oui. Name alerte, oui. Qu'est-ce qui se passe? Alerte, name, alerte, alerte. Texte, texte. Donc là on a fait bienvenue à tous. Name alerte, merci user. Alerte. Ah, je vous montre comment c'est parce que vous voyez que c'est un peu le bordel en fait. C'est un logiciel comme ça, attention ça tue les yeux. Comment ça va Drenachan? T'étais sur Wakfu en plus, c'est trop stylé. T'en es où un peu? Donc là, tu as l'alerte texte qui s'active. Elle s'active. Donc elle est censée s'activer. Est-ce qu'elle s'active? Je suis pas sûr. Attends, j'y vais voir. Désolé Mido. Hein. Non t'inquiète, moi je plante mes petits panneaux. Hein. Ok, c'est... Donc Gifred, ah ouais le Gifred il est prêt. Donc là il est lancé, ok. 2 secondes. Donc on a texte alerte, ok. Pourtant j'ai fait des tests avant, mais pas assez. Gifred, donc ça. C'est vraiment une princesse. Voilà, ça fonctionne. Pourquoi tu me respectes pas comme ça? Ok, là je le des Gif alerte follow hidden. Ah ouais, et là en fait il s'est pas désactivé Gifred. Donc là il se désactive. Ok. C'est un peu, c'est la méta OBS en fait là. C'est quand tu veux monter un peu dans les levels de la galère. C'est ça. Yo Zelkron, merci pour le lurk. J'espère que tu vas bien. Là on a le merci user, le message d'alerte. Ici on a texte alerte, ça dégage. Alerte Gifred, ça dégage. Donc là on a tout. Donc normalement si je fais un test, raid, test. C'est vraiment une princesse. Voilà! Ça fonctionne! Et bizarrement, ça fonctionne pas quand il y a quelqu'un qui raid vraiment. Alors, je pense que c'est moi qui ai un peu chié. Faut dire la vérité, des fois, je fais peut-être quelques petites erreurs par-ci, par-là. Ça peut m'arriver. Et là, en fait, l'erreur, je crois qu'en fait, j'avais demandé à le Gifred de se lancer, mais je lui avais pas demandé de s'éteindre. Et en fait, à la place de s'éteindre, il éteignait un autre gif qui était déjà éteint. Ce qui fait que le... L'alerte de raid reste allumée et quand tu relances une alerte de raid, eh ben, il est déjà lancé donc il peut pas se relancer. Juste il se lance dans le vide. Et je crois que c'est ça. On attendra un prochain raid et on verra ce que ça donne. Merci d'avoir... vous êtes sacrifié pour les raids pour m'aider.
Parce que Streamlabs c'est de la merde, Evilox. Sincèrement. Parce qu'en fait, je veux faire plein de personnalisations différentes. Je suis une princesse, connard. Merci beaucoup pour le sub, Zelkron, c'est trop gentil. Pour Glodinor, c'est trop gentil. Attends, je regarde un petit peu parce qu'il y a eu plein de messages. Ça m'arrange de fou, j'ai le week-end où je suis en famille en Belgique, donc ça me faisait perdre 3 jours. Oh, mais c'est trop cool, ok. Bon, bah, Shaijin sera là alors, c'est trop bien. Let's et tu feras le rush, tu veux faire le rush avec nous ou pas, Shaijin, toi? Ou tu veux chiller? C'est là, il s'est dit non. Non, en fait, j'étais pote. C'est pas grave, c'est pas grave. Et sinon, Evilox, pour te répondre, ouais, c'est un logiciel que j'utilise et qui me permet de personnaliser vraiment le stream comme j'ai envie. Par exemple, ça me permet que Carlos parle dans le chat quand il y a des trucs qui se lancent, tu vois, quand je réponds à des choses, ces trucs-là, voilà. Carlos est tout fait là-dessus. Et plein d'autres choses comme bah, les alertes. Et ça me permet de personnaliser vraiment à 100%. Mais c'est compliqué. Très compliqué à comprendre, mais c'est cool. Oh, let's go, le combat. Oh. Je reprends mon aventure de zéro également pour me préparer pour le monocompte. Oh, t'as trop raison, Drainachan. On fait la même, hein, on fait la même, nous. Hein. Nous, on apprend à jouer. J'en vois beaucoup faire ça. Hein. Ah ouais. Et ils le font en full monocompte, hein. Pour déjà s'habituer au monocompte. Hein. C'est intelligent, hein. Mais j'ai la flemme. C'est intelligent. Comme ça, t'apprends ta classe et tout. C'est intelligent de ouf, hein. Merde, ouais. Y a les 5 mobs, je suis en train de les faire là. Les 5 mobs en score là Ouais, environnemental, c'est ça. Hop. Vas-y, je vais le faire aussi. Ouais. Attends, t'as un combat 4. J'ai 180 commences de squall. Oh, excellent. J'en ai fait pendant que tu parlais. Oh, tu gères. Putain, Mido qui s'arrête pas, j'adore. Je suis tellement comme toi en vrai là-dessus aussi. Oh, pas le temps à perdre. J'ai un combat de 4 là, Mido, si tu veux. Ah, je suis dans un combat de 3. Ok, bah je t'attends si tu veux, comme ça on fait le dernier, c'est bon. Ok, bah attends. Hop. Ça marche, Drainachan, c'est cool. Écoute, je vais voir un petit peu ton stream plus tard. Pas maintenant, parce que je suis stream. Attends, je crois que je t'ai déjà vu streamer. J'ai pas déjà vu streamer. Je t'ai déjà vu, Drainachan. Merci Akneko pour le follow, bienvenue. J'avais déjà été raid par ta copine. D'accord, stylé. Oh, ça marche. Trop cool, ouais, je t'avais déjà vu. Mais écoute, j'ai follow ta chaîne aussi, comme ça maintenant je te verrai un petit peu apparaître et de temps en temps bah, je passerai faire coucou quoi. J'arrive. Oh, c'est cool. Vas-y, t'inquiète, prends ton temps. J'ai plein de messages et tout, c'est trop cool. Let's go. Allume le chat. Mais c'est dur de pas rater des messages, hein. Il y en a pas mal et tout. C'est quoi le principe d'un tempo? Car perso, j'ai jamais fait. Oh, Verpio, votre tempo c'est une dinguerie. Après, faut aimer un petit peu le délire. Mais l'histoire, c'est que tu commences de zéro sur un serveur. C'est monocompte. Et en fait, t'as 2 mois pour aller le plus loin possible. Dans 2 mois, tu perds toute ton avancée. Tu récupères des gros bonus pour les comptes, enfin pour les serveurs normaux. Mais tu perds ce que t'as fait. Et en fait, il y a des défis, des challenges, il y a des histoires intéressantes pendant le temporis. Et surtout... Ah ouais, tu te mets là, merci. Ah, j'avais pas vu, ouais. Ouais, ça va. Je vais faire les deux là-haut. Ok. Et surtout, un truc qui est cool pendant temporis, c'est que... c'est qu'en fait, le gameplay est totalement différent. C'est comme si, dans Wakfu, on ne jouait pas à la Wakfu. On jouait avec, je sais pas, un deck de cartes, et que c'était les cartes qui tapaient, et qu'il fallait dropper des cartes sur des ennemis. Genre de truc, quoi. Donc c'est super cool pour redécouvrir un jeu. Vraiment, c'est une dinguerie. Et c'est ce qu'on fait, quoi. Je passe souvent en lurk par chez vous. Oh, ça fait trop plaisir, Drainachan. Franchement, ça me touche beaucoup, ça. Je suis content que ça te plaise, en tout cas. Vous gérez de fou avec vos streams en duo. J'aimerais trop en faire si un jour l'amour revient vers moi. Je te le souhaite. Je te le souhaite sincèrement. Parce que c'est vrai que les streams en duo, c'est quand même vachement sympa. Genre, même si on peut pas faire ce qu'on veut non plus parce que... je dirais, on est un peu limité. Et par exemple, Vixen qui joue pas au RPG, ben... ça fait un petit blocage, tu vois, là-dessus. Mais en fait, ouais, faut juste trouver et se comprendre, mais c'est trop bon. C'est trop, trop bien. Après, tu trouves l'amour ailleurs, regarde, avec Mido, Shaijin, Kanix. Oh, l'amour est partout, hein. Il est pas que dans le pré, tu vois. C'est ça qui est cool. Tu connais l'amour est dans le pré, Mido? De nom. Ah. T'as les bonnes rêves. Ok. Ouais, l'amour est que dans le game, j'aime beaucoup. Let's go, les petites soupières. Oh yes! Ça fait du bien ça. Alors, oh, c'est soupe. Ouais, ah ouais, j'avoue. Les soupières sont moins chères
que la zone précédente, étonnamment. Mais elles sont bonnes à prendre. Ok. Attends, parce que moi, en tant que connard que je suis qui parle aux gens, je n'ai pas fait les panneaux. J'y vais. Vas-y, fais les panneaux. Ouais. Puisque le prochain truc, c'est... Bah l'autre quête, c'est convaincre Coquelin, donc j'imagine qu'on va devoir lui reparler. Mmh. Ah, faut que j'appelle donc, pour le moment, je t'attends par ici et je fais des semences de mollusqui. Ok, super. C'est vrai que c'est super rentable aussi de faire ça, en fait. Ouais. Ah bah, de ouf. Yannick se passe souvent chez Rizzo. Oui, 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 oui. Terrifiant que tu en saches autant sur lui, mais oui. Oui. C'est du stalk, ça. Ouais, ouais, je reconnais, ouais. Et on est niveau 4, moi je suis 88 je crois, 87-88, et toi Mido 84. Ok. Bon, on est vraiment proche maintenant. Ouais. Alors attends, Shaijin, son explication qui est mieux que la mienne, fais voir. En gros, sur le dernier Temporis, le principe était le même que Pokémon. Tu captures des mobs pour qu'ils combattent avec toi, mais avec des persos de Dofu, c'est tout le lore qui suit quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est mieux que moi. Oh bon. J'aurais dit plus gentiment, je dirais. T'avais l'air un peu agressif dans l'intonation, quand même. C'est mon avis, hein. C'est mon avis. Oh, Mido ! Ouais ? T'as pris le silo en haut ? De quoi ? Il y a un TP en haut ? Oui, 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 je l'ai pris. Ok, stylé. Ouais, Temporis est décalé au 10 mai, hein. Vous le savez, c'est bon pour tout le monde. J'ai un monstre bizarre sur moi. Ah ouais, attends, j'arrive. Ouais. En 2 spi grâce au TP. Parce que c'est pas un archi ça. Qu'est-ce qu'il y a, Shaijin? Oui. Oh, attends. Bah. Attends. Là, Kraken. T'as vu Ouais, attends, je regarde vite fait sur internet. Je regarde s'il drop des trucs bien. Kraken. D'ailleurs, Drainachan, tu vas faire Temporis ou pas toi? Épaulette du Kraken, ceinture Amoluski. Un PA, un PM. Ouais, go le faire. Go le faire, vas-y. Ah, de ouf. Ouais, c'est parti. Je lui mets le. La dette. Ouais, carrément, de ouf. Vas-y, je mets les nuits pas loin alors. Ok. Tu pourras déjà le mettre low si tu veux. Je vais rester ici avec le Xel. Je joue pas à Dofus pour le moment. Ouais, vas-y, je te laisse comme ça. On pète les autres avant. Ouais, hein, ouais, ouais, on va voir le chat de toute façon. Ouais, attends, je vais le mettre là. Vas-y, on espère que ça drop là. La 6. Ouais, de ouf. Ok. Je joue pas Dofus, je garde mes kamas sur Wakfu pour mon stuff. Je comprendrai, Nation. En tout cas, si un Locas tu veux, et que t'as pas forcément beaucoup de gens pour jouer, nous on a créé une guilde où on est beaucoup et il y a énormément de respect, de bienveillance, d'entraide et tout. Ouf. Oh. Si jamais. En attendant, je vais essayer de survivre à ce combat. La base, hein. De ouf. Oh, les restes qu'il a, le bâtard. Ah ouais. Ah ouais. En plus on peut pas le taper R. Oh putain, pas R. Ça me nique tout. R. Ah ouais. Je vais aller là. Non, enfin je vais le faire, je vais gérer. Ok. Oh putain. Le problème c'est que je peux pas taper trop de mobs, tu vois. Je fais comme ça. Ok. Moi il faut juste que je fasse gaffe parce que avec le Xel, il y a eu 2-3 combats où je foirais le challenge. Mmh. Alors que je tapais avec un sort-feu, donc je comprenais pas. Ah ouais, c'est chelou. Je t'envoie le Discord de Drainachan quand même, et après si tu veux créer ta guilde, y'a aucun souci, hein. On peut même, moi je compte faire des alliances et tout, même si ça va être compliqué pour les prochains temples. Vu que ça a changé le système d'alliance. Tu l'as vu d'ailleurs, Mido, le nouveau système? Non. Bah c'est la merde complet, hein. C'est limité à 250. Donc, non. Plus de... Alliance. Ah ouais. Donc en fait, à notre guilde tout seul, on serait une alliance entière. Ah ouais. C'est un peu la loose. Règlement. Attends, Drainachan, c'est pas le bon malheureusement. Règle, c'est ça. Hein. Celui-là. En fait, ça c'est le Discord du stream. Et ça c'est le Discord oui, de la guilde. Oh. Alors attends. Et mort dans 3 tours. Qui? Ton perso. Mais tu es sérieux? Les dégâts des alliés sur le porteur de l'état sont doublés. Ah, what? Si un allié tue le porteur de l'état, l'état disparaît, le joueur est ressuscité puis récupère toute sa vie. Faut me tuer? Ah, donc il faut te tuer en 3 tours et ainsi tu reviens à la vie avec toute ta vie. Oh, c'est stylé! Ouais, il faut retenir, hein. Ah, mais c'est les Dark Moules qui font ça.
Ok, putain, c'est vrai. J'ai eu aussi la marque. Et si on tue le Dark Moon, ça marche pas? Ben non. Je pense pas. Ah ouais, ah c'est quelque chose hein. Ouais, de ouf. Putain, c'est vénère hein, comme système. Hein. Alors, je vais essayer de le kick PM. Un max, au moins il bouge pas. Ouais. Voilà. Bah en vrai, Shaijin, les alliances, si je trouvais ça cool, c'est très épuisant pour moi. Mais ça aurait pu être super sympa en vrai de le faire. Mais maintenant c'est mort, hein. On nique sa mère, hein, c'est full guild. Hein. De toute façon on est déjà 200 guildes à chaque fois, qu'est-ce que tu veux faire une alliance 250 c'est mort. On peut faire des alliances avec 10 membres tu vois à la limite, mais c'est tout. Hein. On essaie de finir le combat en 3 tours ou on se fume nos persos? On se fume nos persos. Je pense en 3 tours ça passe en vrai, tu viens de l'avoir en vrai, ça se fait. Hein. Ouais hein. Ouais. Et c'est tour 3 que je mets tout, s'il faut tour 3 je mets tout au boss hein. Ouais, de ouf. Putain par contre c'est con, t'es loin du... Tu sais quoi, maintenant il faudra que tu sois proche du SRAM. Comme ça je te boosterai avec avec le Pew. Vas-y. Ah, je l'ai déjà mis ouais. Que tu vois là, je peux faire 1, 2, ouais non je t'ai pas de toute façon. Je peux faire là. De toute façon quand je vais changer les nus en Zobal, on jouera groupé hein. Ouais de ouf. Ok c'est bon. On se booste tour 1 et après... De ouf. Salut Greg, comment ça va par ici? Ça va très bien, c'est toi la princesse Bevin? Bah ouais. Ah mais tu viens de Mido? Tu viens de la part de Mido? C'est toi? Ah ça serait drôle. Bien sûr que c'est ah moi. Ouais. Hey, pas mal. Combien? Putain, moins 500. 500. Ah ouais. Moins 30% terre. Trop ah beau. Bah vas-y, je vais le tabasser, je vais le tabasser. Oh, tu lui fais du sale, là. Il tabasse. Oh, il tabasse de ouf, en fait, je vais pas le tabasser, il va me tabasser avant. Ouais. Par contre, c'est la merde, attends. En subissant des dommages de dos, 100% de dommages reçus. Ah ouais. Le casse-cargo, je ne peux pas le taper de dos. Ah ouais? Ouais. Eh, en vrai, ça devient intéressant les mécaniques, hein. De ouf! Je l'ai pas tué? Connard. Connard. Je viens de SR. C'est quoi SR? Je fais partie de la réserve active. SR. C'est pas, oh, celui, qui m'a... C'est pas celui qui m'a MP. Non. De SR. Ouais, c'est vrai. Streamrunner, si, je connais. Oh là là, oh, je suis mauvais. Ah ouais, y a pas des milliers d'actifs en plus, c'est ouf. Là, je suis encore débutant, donc je suis un peu mauvais avec ça. Non. En gros, Streamrunner, c'est une communauté de streamers qui s'entraident pour avoir un petit peu des vues de temps en temps et tout. En gros, tu passes sur leur stream, ils passent sur le tien, etc. En fait, super cool. C'est ouf. Donc oui, je vois carrément. Comment tu vas, toi? Alors, tu crois que... Je sais pas si je le tue, hein, avec un glyphe, en vrai. Tu peux déjà préparer tes glyphes, si tu veux. L'ennemi va sortir la bourse, maintenant. Merde, ok, vas-y, je fais ça. Je vais faire ça ici, comme ça. Normalement, ça devrait le faire. Par contre, il tacle de ouf, le casse-cargo. C'est vénère, hein. Merci Drenachen pour le lurk, c'est super gentil. Sors la bourse. Yes, let's go. Come on to the boobours. Je vais me coller en vrai. Hein. En vrai, je vais me coller. Merci pour le follow, Greg Online, c'est super gentil. J'aurais pu passer. Vas-y. Après, tu pouvais l'utiliser avec le foreur, Mido. Hein. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit, et j'aurais pu rester à distance et le taper. Ouais, c'était. Je pense que c'est mieux, ouais. L'aurais, je l'aurais envoyé au suicide là. Tu t'y habitues après, mais... Ouais, c'est vrai, j'utilise pas souvent le foreur. Je peux tenter un truc, sinon... Tester quelque chose, parce que lui, je le connais pas beaucoup pour le coup, mais... Attends, non, j'ai mieux que ça. C'est ça. Je vais faire ça. Ok. Je vais le buter comme ça, au moins c'est fait. Il me gêne pas. Je l'avais pas vu qu'il y avait un petit cralamour, là, avec plein d'électricité autour de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, j'avoue. Je sais pas du tout pour le coup. Je sais pas, ça passe le tour ou pas, non?
Ah merde, okay. Ça t'attire aussi, fais chier. Je pensais pas que ça t'attirait. Non, c'est pas grave, on le sait maintenant. Mais c'est, ça peut être pas mal en vrai pour des moments, ça. Hein. Tu veux pas que je prenne le dos, ça va? Ah, mais t'as enlevé du glyphe, tu veux que je le remette dans le glyphe? Oh putain, ouais, je veux bien, ouais, j'avais pas vu. Ouais, je veux bien, bien joué. Si tu peux me laisser le dos, ouais, ça m'arrange de ouf. Pour ouais, le soutien et parce que tu as l'air super sympa. C'est trop gentil, Greg, ça fait trop plaisir. Bah écoute, j'essaierai de passer un peu à l'occasion et tout, parce que j'imagine que tu stream aussi, quoi. Mais c'est cool, ça fait plaisir en vrai, parce que moi le premier, hein, je parle pas vraiment sur sur Streamrunner. Hein. je pense pas à parler. Oh bien ouais, oh là là. Attends, mais tu l'as défoncé le boss en vrai. Bah ouais, je pense qu'on peut le terminer ce tour-ci. Hein. Ah de ouf, c'est nickel. Hein. Franchement, tu gères. C'est quoi les dégâts qu'il a pris? Ah, c'est le glyphe. Oh bah oh one shot. Oh waouh, oh, one. Comment ça se fait? Non. T'approche pas. Ouais, ouais, il rigole. Il rigole pas. Oh, j'avoue. Ah oui, pas R, ok. Heureusement que je fais ça. Ouais, il va mourir, il va mourir. Ouais, ouais, c'est bon. Mais en vrai, il fait mal, hein. Oh, la violence. Va falloir qu'on réfléchisse, parce que je sais pas si c'est un peu ça le boss, mais c'est vénère, hein. Putain, c'est... Là tu sens qu'on monte d'un palier quand même, c'est stylé. Et sinon ouais, je fais plein d'autres jeux différents, Greg. On fait là on a fini Zelda, on fait Resident Evil 4, on va faire Genshin, Dofus, quoi d'autre. Là comme ça j'en ai pas, mais je fais beaucoup de jeux, ouais, on fait énormément de jeux. En sachant qu'on est à deux en plus, on stream en duo. C'est trop cool. Et bon app pour ceux qui vont manger, ouais. Meurs. Yes, bien joué. Bien joué Mido. Putain, la violence en vrai. Le petit cras l'amour. Oh, ça dégage. Attends, c'est à 3, non? Épaulette du crâne. Épaulette, ouais. Alors ça, c'est rare, ouais. 30 000 kamas, c'est un peu ça. Hein. Oh. 20 de maîtrise sur 3 éléments. Ouais, on a tous su tes soupières, du coup. Oh, oh ouais, ah, les 10. C'est ça en bonus avec la bourse, en plus. Stylé. C'est déjà bien, ouais. Ouais, beau petit combat, hein. Mm. Ouais, c'était... Alors, sur le boss, il y avait épaulette, ceinture du Kraken, Amoluski, qui est une relique. PAPM, ah, 120 ouais. PV. 3% de crit, 50 de maîtrise, ah, coup critique. Ça aurait été insane pour les ça. Oh, stylé de ouf, hein. J'avoue que ça a de la gueule. Et la ceinture, attends, fais voir ce qu'elle donne aussi. 20 de maîtrise. Arme, ouais, ça va. C'est pas mauvais. Et les épaulettes, elles sont mieux que ce que j'ai, non? Attends. Ah ouais? Je sais pas. Ça donne PV, tacle, 2% de crit, 2% de parade et 20 de maîtrise sur 3 éléments. Et 8 maîtrise critique. Ah, tu les utilises ou pas, hein? Pense, hein, on peut les mettre. Non, je les utilise pas. Je te les prends alors, si tu peux. Vas-y, ouais, prends-les. Ok, thanks. Si j'en ai besoin, ce sera plus tard, c'est pas grave. Ça marche. Comme ça, là, je commence un peu, enfin, tu sais, j'évolue un peu le stuff au fur et à mesure. Ouais, vas-y, hein, vas-y. Tant que je reste dans les crits, toujours. Bah voilà, hein, 4 runes, c'est pas dur. Putain, Mido, sérieux. Non, mais sérieux là? Je te jure, 4 chasses instant. En plus, c'est vert, bleu, tu sais, genre le truc quoi. Non, vas-y, c'est grave. Appelle-moi. Hein. Appelle-moi. Ok, ça c'est bon. C'est beau, ça faut que je l'ai. Te parler. Oh, et tout de suite, ça fait la gueule et où? Attends, juste là, il faut que je mette ces épaulettes là. Et donc, si je repasse sur ce stuff, j'ai ça et là, j'ai ça. Faut que je m'entraîne vraiment sur le stuff, tu sais, créé. Ouais, le stuff hein. Modulé. Ouais. Bah moi ouais, pour le moment, mais je vais me concentrer sur ça aussi. Comme ça là. Donc là au final, c'est ça, j'ai mis le stuff en fait sur le stuff modulé, les anciennes épaulettes. Et là, ces épaulettes là, je les ai mis sur mon stuff réel. Ce qui fait que quand je les mets, mes autres épaulettes ne dégagent pas. Elles restent dans mon stuff. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu fais quoi toi Greg comme jeu? J'ai pas eu le temps de te demander. Tellement en rush. Sans rusher. Ok, ça je le mets là. C'est bon, hein. Ouais, bah on retient, hein, si on revoit le Kraken quand ah, on de ouf. Zone, direct, hein. Quand ah, attends. Chope hein. Le poisson. Toujours bénef. T'as vu, il y a des poissons par terre, là. Ah, bah c'est le truc... Tu l'as fait? Bah oui, c'est le truc à faire maintenant, non? Ouais, mais tu l'as fait ou pas, déjà? Non, je suis en train de faire maintenant. Ça marche.
Bon, on se fait ça et on continue tranquillou. Mais il est trop cool le combat, hein. Il était bien. Ouais, ouais, ouais. Oh, j'ai kiffé. Hein. Bah, du coup, ça nous a fait faire taper les monstres qu'on avait besoin de taper en plus. En plus, donc ça fait la quête quoi. Joke, c'est Let's stylé. Go. Attends, j'ai plus de poissons là. Ok. C'est good. Moi, il m'en reste 3 et ils sont là, c'est bon. Attends, je regarde juste lui, qu'est-ce qu'il fait. 51-65 pour les quêtes chasseurs ici. Ah bah attends, on peut lui donner les semences à lui. À qui? À lui ici. Ouais, c'est le même que le gars de Suffocar en fait. Trop bien. Ah bah, let's go, let's go. Alors, les semences que le... Oh, pourquoi moi il a pas de... Quoi? Bah parle lui après. Ouais, attends. Moi il a pas d'icône. Comment ça, quand tu lui parles? Ouais. Ah ouais, Ennio Morricone. Sans... En personnage sombre là, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, pareil. Trop bizarre. Oh, t'avais ce qu'il fallait en semence? Ouais, c'est bon. Ça y est. Bah, grâce à ceux que tu m'as donné tout à l'heure. Et les autres, je les ai faites. Ouais, ouais, je te demandais, Greg, tu fais quoi comme jeu, toi, de ton côté? En stream? Alors, attends. Convainc Coqueline. On fait quoi? On fait Coqueline. Viens, on fait l'œuf. Attends, bah non. Faut pas le donjon maintenant en fait. Attends. Regarde juste les quêtes en deux spi. Et après il y a le donjon. Donc il faut faire ça maintenant. L'heure vite fait. Ouais. Parce que là ma copine s'est endormie mais. Ah. On a commandé. Je sais pas que ça arrive à quelle heure. Ah. Commandé quoi? Des burgers. Stylé. Ouais. Attends, hein. Ouais, je pense que je demande à Vix. De toute façon, je demande à Vix de venir. Et pour faire la voix de Coqueline. J'arrive, les gens, deux secondes. Vix ? Viens ? Tu fais du stream depuis quand ? Depuis bientôt 3 ans. Je dirais 2 ans, 3 quarts là. Et on stream en duo ici, Greg. Et toi ? Ça fait longtemps ? Ça commence à faire un bail en vrai, 2 ans et demi, 3 quarts. Oh, on va dire 3 ans, ça fait beau. Hop là, ouais ben ça va bientôt arriver. Ça marche, okay, je fais le dialogue. Hop, du coup t'es où? Attends, t'es où? Alors, je suis sur Coqueline. Ouais, convaincre Coqueline. Hop. De donner des faits divers. Faut que je remplace Vix, c'est ça? Non, Vix elle est là. Ah ça va alors. T'inquiète. Attends. Si je fais ça... Ah, j'avais le Luna sur les genoux. Oups. Alors, ça. Tu n'aurais pas des informations sur le mont Zinit? Oui, j'en ai, mais j'y pense. J'ai aperçu un groupe de pirates non loin d'ici, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, t'as pas vu un joli coquillage sur la plage? Mon gob-gob en est très friand. Ok, j'y vais. Non, c'est tout? Attends. Désolé. Non, je commence à avoir l'habitude. Je suis désolé. Genre pour Gumi c'était pareil hein. Oui, il faut d'abord aller faire des pirates. Je faisais une phrase et je me barrais hein. Bon bah bisous Mix. Ouais salut. Je te rappelle, hein. Je te rappelle après. Merci hein, c'est gentil. Ça va toi? Cool. Du coup je connais pas le jeu, c'est un genre de Dofus. C'est les mêmes créateurs, c'est Wakfu en fait. C'est Ankama qui l'a fait aussi. Donc là les pirates, bah go les pirates hein. Attends c'est où? C'est là. Danse du Rokinu. What? Quoi? What? On a un combat chacun de notre côté. Ah ouais. La danse du Rokinu, elle est stylée. Bah tu me diras, hein, dès que t'as la bouffe, on fera une petite pause. Bah exceptionnellement, on mange pas ensemble. Ah donc, d'accord, en fait, ok. Je me muterai et on pourra continuer. Ouais, ça marche. Vas-y. Je suis chaud. Oula. Juste il faudra que je la réveille parce que là, bah, elle dort. Ouais, je comprends. Elle devrait faire du doublage, la madame, mais de ouf. Franchement, grave, Greg. Bon, on va essayer de convaincre Ankama de l'embaucher. Pour Coqueline et pour Gumi. Parce que vraiment, c'était trop stylé. Ok. Mmh.
Imagine un jour t'es affilié au partenaire en Kama et ils acceptent là. Ah, ce serait le kiff en vrai. Vraiment, juste le partenariat en vrai, ça serait cool. On m'a dit que c'était faisable, hein, donc.